Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Il est quand même bien dans cette configuration 4-4-2. Hein. Di Maria à droite et Verratti à gauche, Vincenzo et alors Neymar et Icardi en paire de balles. Il joue quand même bien. Oui, en paire de balles, ouais. Mais pas en possession. Attention à ce long ballon vers Zinchenko. Il attend du monde. Il y a cette passe en retrait, elle est magistrale pour De Bruyne qui ajuste. C'est contré par Florenzi et maintenant ça rentre quand même avec Mahrez. City sans forcer, City sans le ballon jusqu'à présent, mène à zéro. Oui. La recherche de la profondeur aussi, tout de suite, ça a fait vraiment mal à ce PSG qui n'était pas en place, pas organisé, pas attentif et pas concentré. Parce que c'est vraiment ce qui déclenche l'action. Derrière, Ederson, on le montre et ils ont raison effectivement de le montrer. C'est une grosse arme qu'ils utilisent souvent. Hein. Là, la relance et le jeu au pied, regardez Zinchenko, il part de son camp. Hein. Tout à fait. Et là... Et Florenzi qui dit vas-y Navas, et Navas qui dit ben non, je recule dans mon but. Il faudrait un plan plus large pour voir s'il avait le temps d'intervenir. Après, voilà, il y a un petit peu de bol, évidemment, sur ce ballon qui est dévié, qui arrive parfaitement dans les pieds de Mahrez. Mais... Et c'est encore un Parisien, référence à Kingsley Coman lors de la finale, un Parisien, c'est Riyad Mahrez, le Parisien. Di Maria, oh, c'est un bon ballon, Marquinhos, justement, la barre transversale. Pas de chance pour Paris, pas de chance pour son capitaine. Le jump là de Marquinhos, il est impressionnant à la CR7. Ouais, il est resté là en l'air, en élévation, en lévitation même Marquinhos. C'était assez impressionnant. Di Maria, la ligne bien tracée, la mèche bien collée. Laisse ça à Neymar. Ouh, ça part pas mal, ça part pas mal. Il y avait du Kimpembe, il y a eu du grabuge là. Dans le duel aérien. On a entendu le français crier jusqu'ici. Il y avait du Stones, il y avait du Dia. Ah, c'est là ! Oh, Di Maria ! Il est passé tout près, il le sait. Ouais, ben c'était, ça aurait pu être la deuxième offrande d'Ederson. Hein. Ah, oui, mais là. Son équipe. Quelle erreur ! Ouais, c'est quand même super dangereux de relancer comme ça. Sur ces moments de possession, il régale. Les hommes de Guardiola, Mahrez, Gundogan reste en retrait. Mahrez y va tout seul du pied droit, comme tout à l'heure. Silva du pied gauche et dévié ses buts. Ouh là là, j'ai cru que ça prenait la bonne direction, ça. Oui, parce que la réaction de Navas était assez éloquente. Il y a un bon arrêt là, un bon travail de Mahrez. Neymar. Et pourquoi pas sur phase arrêtée avec ce petit ballon sauté. C'était pour Marquinhos. Il y avait du Fernandinho. Mais c'était le Brésil finalement. Du début à la fin sur cette action. De Bruyne, Foden. Ah, c'est du 4 contre 2. 4, 5, 6 maintenant. Foden, ça passe quand même. Et c'est but. Et c'est but et c'est Mahrez. C'est sans doute le but de la qualif. Pour City avec le doublé de Riyad Mahrez. Au moment où Pochettino fait ses deux changements. Oui, là c'est le pire moment, effectivement. Un grand classique là aussi, Vincenzo. Phase arrêtée pour vous. Remarquablement bien défendu, de nouveau. Et la contre-attaque qui suit. Oui, là il peut. Il le sait. C'est fini. Et il aimerait bien recevoir le ballon dans de meilleures conditions. Quand vous parliez du Portugal, oui, c'est dites-moi. Benfica Porto. Hein. Alors exclusion là, Alex. Exclusion et Paris. Ouais, c'est pas malin non plus. Hein. À 10, les esprits qui s'échauffent. Pas soigner leur image au-delà de la défaite qui se profile. N'allons pas trop vite, mais ça ne va de nouveau pas soigner l'image de ces Parisiens. En plus, Di Maria, qui était quand même un des joueurs en vue dans du côté de Paris. Franchement, c'est complètement
C'est quand même débile de sa part, hein. Je suis désolé. Débile, c'est le terme que je voulais utiliser. Tu as été plus rapide que moi, mais ça, c'est n'importe quoi. Foden, Kimpembe, fameux 1 contre 1. Foden, oh le poteau. Poteau extérieur. Il y a le feu, hein. Chaque fois qu'il a le ballon, oh là là. Les pieds. Quel phénomène celui-là. Mais quel ballon encore. Et quelle déviation de Fernandinho. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.